département du Haut-Rhin est situé dans la partie sud de l'Alsace. Des Hautes-Vosges alsaciennes aux eaux frontalières du Rhin, il offre des possibilités de pêche illimitées. La Fédération du Haut-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique, au travers de ses différentes missions de développement du loisir pêche, œuvre pour la préservation et la valorisation de la richesse haut-rhinoise. Le département du Haut-Rhin a une spécificité par rapport aux autres, c'est que le département du Haut-Rhin n'a pas beaucoup de domaines publics. Le domaine public ne représente que 20% des baux de pêche du département. Par contre, nous avons la chance d'avoir le massif des Vosges dans lequel se trouvent 13 lacs de montagne, dont le plus grand est le lac de Krutwilderstein qui fait 81 hectares. Ce sont des bijoux au sommet de nos montagnes. Sur les 13 lacs de montagne, 12 sont en première catégorie, le 13e étant le lac Vert dans la vallée de Münster, qui lui est classé en deuxième catégorie. C'est un endroit magique qu'il faut absolument découvrir à un moment ou à un autre. De ces montagnes descendent 6 vallées. Dans la partie la plus sud, c'est la Dolère qui descend du ballon d'Alsace. Ensuite, dans la vallée de Tann se trouve la Thure qui descend du Dolon. Dans la vallée de Gebwiller se trouve la Loche qui descend du Grand Ballon et du Marstein. Dans la vallée suivante, il s'agit de la Fecht dans la grande vallée de Münster, une vallée très importante, à la fois touristique mais également halieutique. Et puis plus au nord, la Weiss qui descend dans la vallée de Kaisersberg. Et tout au nord, la dernière vallée, la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, dans laquelle coule l'Allier Prête. Ce réseau dense de cours d'eau vosgiens, en plus de ces deux rivières sungoviennes que sont la Largue et l'Ille, forme une toile de plus de 2000 km de cours d'eau de première catégorie, ponctué de 214 hectares de lacs de montagne. Chaque vallée vous révèle un magnifique écrin de nature et surtout de petits paradis d'exception pour la pêche. Ces cours d'eau, d'abord torrentiels au sommet du massif, s'élargissent à l'entrée de la plaine, surplombés par les grands crus et châteaux médiévaux, témoins d'un passé riche et tumultueux, avant de rejoindre un à un l'Ille. Cette rivière aurait donné son nom à la région Alsace, qui signifie « pays de l'Ille ». Cet affluent majeur du Rhin, où la diversité est reine, prend sa source au cœur du Jura alsacien et traverse le département du sud au nord. Ici, truites, brochets, sciures, carpes, aspes, pour les pêcheurs, ce ne sont pas les partenaires de jeu qui manquent. La plaine entre l'Ille et le Rhin, ainsi que les nombreux canaux qui la parcourent, forment les 1000 km de seconde catégorie du département. Les eaux calmes, comme le canal du Rhône-au-Rhin, de Colmar ou encore le Grand Canal d'Alsace, ne sont pas en reste. Certains vestiges de l'industrie prospère et d'autres véritables artères de la navigation européenne traversent la plaine de long en large et font également le plaisir des amateurs de carpes, de cendres, de poissons blancs ou de silures. Et s'il vous reste un peu de temps, vous pourrez profiter du patrimoine alsacien, qu'il soit culturel, naturel, gastronomique ou encore œnologique.